le concours officiel du ministre des Postes, M. Mandel, la radiovision a quitté le domaine du laboratoire. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Le 8 décembre marquera une date dans l'histoire de la science. Mademoiselle Lise Gauthier. Mais à 20 ans, l'avenir efface le passé quand l'espoir nuit. À Paris, dès la nuit venue, à Paris, dans chaque rendez-vous, à toute heure, une âme élue, rêvant comme puis M. Barthelmy parle de son invention. Ce n'est pas sans quelque émotion que je vois se terminer la journée décisive qui marque aujourd'hui la sortie du laboratoire des expériences de télévision. Je suppose que grâce à l'énergique impulsion de M. Mandel, des séances aussi brillantes que celles qui nous ont été données aujourd'hui permettront bientôt, dans beaucoup de foyers, d'avoir un récepteur, un écran de radiovision.